Yo Petra, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone. Aujourd'hui on va se retrouver concernant l'arme que vous pouvez débloquer au niveau maximum, au niveau 155. Il s'agit d'une variante de la Kilo, une arme auquel j'ai pas parlé il y a, je crois, à peu près un mois de ça, si je dis pas de bêtises. Donc je me suis dit, c'était le moment parfait de vous en parler. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, tu connais le refrain, abonne-toi si tu es nouveau et active la petite cloche de notification pour du gameplay, des news Call of Duty, des best class setup, prochain Call of Duty, enfin bref, tout ce qu'il faut. Abonne-toi mon pote et surtout, lâche le gros pouce bleu mon pote, défonce-moi la barre de like, martyrise-moi. Vous avez fait 2000 likes en moins de 24 heures, aujourd'hui on va se retrouver avec deux gameplay kilos, ça change un peu d'habitude, donc martyrise-moi cette barre de like, mon côté présent. Bon, du coup, au niveau de la classe, cette fois-ci, alors avant la classe, excusez-moi, oui, je suis un peu bête, du coup, c'est cette variante-là qu'on peut donc débloquer au niveau 155. Je vais enlever pas mal de choses sur la Kilo, justement pour en faire une arme totalement optimisée. On va garder le silencieux monolithique, mais au niveau du canon, nous allons mettre le deuxième canon qui est vraiment le best, hein, très clairement le best. Au niveau de l'accessoire, je vais mettre la poignée avant de mercenaire. Je pense que là-dessus, vous connaissez et que vous avez l'habitude. Munition, 60 balles. Et je vais mettre la lunette, en l'occurrence, mini viseur réflexe GI, que je trouve absolument parfait. Je vais également l'accompagner d'un sniper. C'est plutôt assez utile. C'est vrai que même si la Kilo fait moins de dégâts qu'une Galil, qu'une Gros ou qu'une M4A1, parce que oui, il faut quand même le dire qu'en l'occurrence, la Kilo est plus faible que ces trois armes-là, c'est quand même une arme très intéressante à jouer et qu'elle mérite d'être jouée avec un sniper. Et dès que vous avez l'opportunité, évidemment, jouez avec, enfin tout simplement avec l'atout fantôme, donc vous récupérez une de vos classes fantôme là-dessus. Bon, on est sur Superstore, je sais très bien pourquoi on est là, il y a moyen de sortir de cet endroit avec v'là les kills, mais v'là les kills. Ok, let's go, premier kill. J'ai cru pendant... Voilà. Voilà, c'est lui que j'attendais. Parfait, un mort. Let's go. 3 kills. Jay-Z. J'ai hésité à rusher tout à l'heure. Je l'ai entendu à la dernière minute. Ok, quatrième kill. Comme je disais, j'ai hésité de rusher l'autre tout à l'heure. Parce qu'il m'a fait vraiment très 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 peur en pensant que tout simplement il était dans un corner quoi. Allez, allez. Ok. Il y a quelqu'un qui va passer sur la droite. On rebalance le drone dans le doute. Il y avait pas quelqu'un ici? Ok, un mort. Deux morts. Yes. Attends. Ouais, ouais, j'ai vu qu'il n'y avait plus de carburant. Ok, on va prendre le head glitch ici. Let's go. 8 kills. Eh ben cette game, elle est super, super intense. On sait qu'il y a encore du monde un peu partout. Drone ennemi. Ok, moi je vais juste balancer aussi mon drone. Je sais qu'il y a encore du monde vers le sud et un peu plus vers la droite. Où est-ce que je vais? Je crois que je vais plus aller de l'autre côté pour avoir le shop, étant donné que j'ai assez. Ou quoi que.
Oh. Si tu viens vers moi, c'est magique. Mais il faut que tu viennes vers moi. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base. Il vient de mourir. Ok. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Parfait. Ok, parfait. Vas-y, monte ta tête. Il n'est pas enclin à montrer sa tête, lui. Enfin, sauf quand il me suffit de me tirer par derrière, quoi. Ok, il est descendu. Oula, ouais, mais attends, c'est... On va faire grave attention, en fait, s'il y a encore quelqu'un sur la droite, là. Let's go. J'étais assez intelligent d'attendre que monsieur sorte. Mais on sait qu'il y a encore quelqu'un dans la caserne des pompiers. On prend le drone, on le balance. Je serais très tenté d'aller chercher l'autre personne. Très très tenté. Ok. Je pense que l'autre va attendre au niveau de la fenêtre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va lui foutre un peu les boules. Non. Pourquoi, voilà, pourquoi je parle directement, monsieur va au top. Il va attendre. Ok, faut que je sois focus. Bon, bah il était AFK. Le truc c'est que... Ouais, mais le problème c'est par rapport à tout ça. Tu sais quoi, on va prendre la classe juste M4. Voilà, en fait c'est ça que je veux. Il a mis un système trophy. Je veux juste avoir la possibilité de changer en fait. C'est tout ce que je veux en fait. Allez hop, barre-toi. Parfait. Il s'est barré. Du coup, on peut aller prendre notre kilo. Il a tout laissé. Parfait. Le problème, ça va être chercher l'autre, quoi. La couronne. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Ok, dégage. Ah, je déteste cet endroit. Ok, c'est good. Voilà pourquoi je déteste cet endroit. Je me disais bien que j'entendais des bruits... Très louche. Il n'y a pas beaucoup de thunes sur lui. Hein. Est-ce que toi, par hasard, t'es décidé à enfin montrer un peu ta tête ou t'es plus dans l'optique Bah, on va rester un...
commence à devenir hard ce fight. Ouh, il a été tué par quelqu'un d'autre là. C'est même pas moi qui ai eu le kill. Ah, c'est... C'est bien ce que je pensais. Ok, un mort. L'autre, je sais pas du tout où il va. Il est parti où l'autre? Je crois qu'il est parti se réfugier dans le bunker. Ok, t'as fait mort. C'est incroyable comme ils veulent tous se réfugier dans la forêt. Non! Encore 17! Non! Oh non, j'ai encore mourir en 17. Oh non! Meurs pas, hein. Ok, 3 kills. Ouais, non mais mec, vous êtes combien aussi, frérot? C'est... Putain, ça me gratte. Non mais ça me gratte. Ça me gratte le genou. Est-ce que je suis étonné? Okay, let's go. Ok, parfait. Que je pas ma prime, toi.
Tu veux encore plus de balles d'AX? What the fuck? Eh hey mec, il veut combien de balles d'AX lui hein? Mais... C'est bon? Mec à ma hauteur. Ok, c'est fait. C'était évident que ça allait arriver. Une fois pas deux, mon pote. Voilà. Trop fort, mec. T'es trop fort, mec. Voilà, t'as une grotte, t'es dans un bâtiment, tu bouges pas. Vas-y, regarde, vas-y, voilà. C'est l'exemple typique de ma journée aujourd'hui en solo. Vas-y.